Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park. Donc, hop, on ouvre ça, on y trouve des chaussettes pleines de transpiration. Miam! Ici, on va là, on regarde derrière, rien. Ici, on repasse derrière le truc normal, pas de soucis. On vérifie un petit peu toute la zone, apparemment il n'y aurait rien, hein, visuellement en tout cas. C'est assez... Là, il y a quelque chose par contre. Oui, mais... Oh! Et nous y trouvons des laxatifs Fuka. Génial. Absolument génial. Je n'ai jamais été aussi heureux de trouver... des laxatifs, disons-le. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, essayons d'entrer dans la maison, pardon, dans le manoir de Token. Oh, cool. Cellule d'énergie de Tupperware, Chatterton et des ciseaux. Bon, pourquoi pas. Toujours pas de glu. C'est la glu qui m'intéresserait pourtant. Alors, est-ce qu'on va tomber face à Token? Ok, quick superhero, answer the phone and use your hacking device to disarm the system. Hello, this is Jeff with Wolf Home Security. Is everything all right? Hello, yes, sorry, I live here and I can't. Déplace un dispositif de piratage pour localiser les signaux. Deux, transfère les signaux. Triangulation du signal. Amplitude boostée. Fréquence verrouillée. Ah! Sous réseau contrôlé. D'accord, c'est... Ok, on est bon. Yes, no problem. I've got it right here. Hang on a second. Dang it, let me look in. Oh, wrong drawer. Can you hold on just a minute? I'm sorry. No problem, sir. Continuez le piratage. C'est parti. Localisez le signal. Can you hold on just a minute? Contact amorcé. PPOE activé. Backdoor ouverte. Sir, like a notepad or something. Yes, yes, must be something. Let's see. Let me check in this drawer. Ha! Looks like I need to find my glasses here. Hold on. Bien sûr. Un piratage de plus. Vendu. Ah! Allez! Oui, c'est bon. On l'a eu. On l'a eu. Cryptage désactivé. Hop, martel furtif pénétré. Données interceptées. On y va. Hop, c'est parti. Wouhou! Hacker d'élite! Tout à fait nous, ça. Maybe it's my middle name? Could you try my middle name? Okay, sir, I tell you what, let's just look up your account profile and get a new password for you. If you can just hang on the line here. Ouais, y'a pas de soucis. Don't be fooled by his attempts at upper middle class sensibility. Oldest trick in the book. D'accord. Freedom Pulse Base. D'accord. Alors, on va commencer par aller dans la fameuse cuisine. Voilà. La cuisine de Token. Qui est pas si mal, on va le dire. Je me demande toujours comment ils font pour aller tout en haut, par contre. Je pense qu'il y avait rien dedans. Assiette en porcelaine. Ok. Ça, c'est fait. Alors, ici, on peut voir qu'on ne peut pas rentrer. Puisqu'il nous manque encore ce fameux pouvoir. Malheureusement. Nous avons une chambre ici. Un bureau. Ok, journal de société de chimie. Organisateur d'entrée de collège. Grand livre fiscal. Ok, why not? Je vérifie, sait-on jamais. Normalement, il y a un petit symbole, mais... je préfère être sûr de mon coup. Bon, apparemment rien. Là, il y a quelque chose. Lampe de poche, pile LR20. D'accord. La chambre de Token. Je crois pas que dans le premier, on avait accès à cette chambre. Combinaison du casier de Token. Objet clé, d'accord. Fiche perso de Tupperware. Cool. Est-ce qu'elle marche la sienne? Non, elle est toujours aussi en train de... je dis avec l'argent qu'il a peut-être.
Excellent, excellent. Bon, why not. La suite. La suite, merci. La chambre des parents, sans doute. Careful with this one, hero. He's got a temper on him. Choose your moment now. Hey, who the hell are you? You can't just break in here. Engage, go, go, go. J'ai pas fait le jardin. Et ça me fait chier, littéralement. Enfin non, pas littéralement, mais vous me comprenez. Ouais, je sais que t'as un système de sécurité. Ouais. Je me mets là, pour qu'il se mette en face de moi et que je puisse l'envoyer dans la table. En fait, je vais pas avoir le temps. Trop facile. Monocle, bracelet connecté de Sport Fitcon et 1,57$. Il avait qu'un dollar 57, mais en fait il est pauvre. Ouais, je sais. Ouais, j'ai tout compris, effectivement. Ce qui m'emmerde. Oh, il a quelque chose pour moi. On va quand même aller vérifier dans le jardin. Jardin où il s'est passé des choses absolument géniales d'ailleurs, hein, en termes de... Et quand la dame elle se fait pénétrer par 4 ou 5 pénis, est-ce que ça aussi ça veut dire qu'on est amoureux? Je crois que c'est ça qu'il dit, hein, je sais plus. Recette casette à pire. Oh, recette, d'accord. Alors souvent ces trucs apportent des choses. Ah non, ok. Ok, tant pis. Non, je... Pourquoi pas. Rien de plus? Rien de plus. Ok, je suis surpris. Pourquoi pas? Bon bah go alors. Go for it. Quoique je suis pas sûr que ça soit passé ici. J'ai un doute sur le fait que ça soit passé, que ça se soit passé ici. Enfin bon. Bah bah encore une bonne chose de faite. Littéralement. Ou pas du tout, pas une bonne chose. Je veux dire une quête de faite. Pas une bonne chose, mais une quête. Oui, on va se retrouver bloqué par de la lave, par là. Pas intéressant d'y aller du coup. On y va. Speed limit 25, mais je cours bien plus vite que ça. T'es fou. T'es fou, t'es fou, t'es fou. .tfou.tfr. On va quand même aller vérifier qu'on a tout là-dedans. Kids these days. Je vois rien qui nécessite une interaction. Je repars. Hop. Bon. Finalement, on s'en sort plutôt bien. De mémoire, pour aller à la police, c'est par là. Puis à droite. Faudra qu'on refasse tous ces bâtiments-là aussi pour vérifier ce qu'on a oublié, ce qu'on n'a pas oublié, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, donc techniquement. Là, il n'y a pas de chat, apparemment, donc c'est plutôt bon. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans la mairie? The little filthy of Wade. Poor baby. Ew. Hop là. Voilà. C'est pas véritablement ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. On l'a fait. On est bon. On est partant. On va aller direct. Let's dance. Faut être sérieux. I mean, not literally because I don't dance. Let's punch. You got it, butthole. Allez, on y va. Boum. Je peux en buter deux comme ça, dès le départ. Bonne nouvelle. Et un troisième. Oh, j'ai loupé. Ça suffit. On n'a pas de raison de s'inquiéter alors, jusque là. On a un peu short en termes de distance.
puis on y va. Pause. Time to take out the fourthy trash. Microaggression. Wouah, comment tu me parles ? Bouffe ! Et tu sais quoi, en fait ? Non, cherche même pas à essayer de jouer avec moi. Tu n'y arriveras pas. Joue pas ! Pas avec moi. Voilà. Mais non. Tu ne vas rien faire. Non, sérieusement, fais pas ça. Next time I'll show you what I really meant to do. This is for scrambles, you bastard. Come easy, son. It's my turn now. Non, je vais m'en trouver de la pisse dessus parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer. Ah, c'est dégueulasse. Craig qui joue pour la première fois. Un peu lent. Allez. C'est quoi? T'as le droit au doublé aussi. Vendu. Là, là, j'ai pas eu l'occasion de me défendre face à cette attaque, face à cette attaque complètement injuste. Autrement dit, tu payes. Et on en finit avec un coup de boule de la violence. Voilà. Hop. Allez, dégage. Rentre dans les jupes de ta maman. D'épée temporelle, on commence à l'utiliser un petit peu, c'est bien. Ça permet d'augmenter, de toute façon si on peut en utiliser un par combat, ce serait pas mal. Comment ce sixième aussi là, utiliser le mot ordure pour dénigrer des individus de statut socio-économique inférieur. Don't get the mayor embroiled in your farting business. Maybe if the mayor follows you. What kid doesn't love a photo with the highest ranking official of their municipal government? Ah, oh, elle dit oui. Elle dit oui. Merci, madame la mère. Cool. Maybe if the mayor follows you. La mère me suit. Why, yes, I love engaging in social media activities. It's so important. Merci. Ah, les gardes du corps. Un boulot pas simple. Allez, Johnson. Merci, Johnson. Great, maybe I'll see this. Let's take a picture, future voter. Ah, c'est génial. Hop. Et Johnson. Je savais pas que c'était écrit de manière différente. Je savais que c'était Johnson et Johnson, mais je savais pas que c'était écrit de deux manières différentes, véritablement. Donc, agréable surprise. Bon de le savoir, j'avais complètement zappé cette histoire. Donc, à chaque fois, je passe au rouge. À chaque fois. Alors, qu'est-ce que t'avais à me donner, finalement? Je suis curieux de savoir... Une voiture de police? Tu me donnes une voiture de police? Ouvre-moi. Merci. Chaque fois il m'insulte, j'ai pas envie de lui parler. Cool. Je t'en prie. Oh, bouclier de l'aigle étincelant. Cool. Ah, cool. Faut faire une tête où on est colère, voilà. Ah. Génial, absolument génial. Ouais, essaye. J'ai des hackers derrière moi. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voir mission dans la barre. Afficher la liste des missions. Distribuer des... Ah oui, il me reste un photomaton que je ne sais pas. Ah bah oui, je sais où le mettre. C'est celui qui est devant le... Devant le truc de comment dans la forêt. Il faudrait qu'on aille au U-Story tout à l'heure. Qui est ici. On pourra jamais y arriver... That vigilante is taking off. My lord, I have to say I'm mildly impressed with the progress you're making. Merci, Coon. Come to the Coon Lair. I've got a little surprise for you. Ouh! Ouh, bah surprise d'abord! Surprise d'abord! Sans la moindre hésitation. Est-ce que tu veux bien passer... Merci, au vert.
Allons-y. Cool. Une récompense de la part du Coon. Si ça, c'est pas la fête du slip, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est la... C'est pas celle-là. De toute façon, on va la reconnaître. Il y a le... Comment le... Le château de Koopakeep derrière. Et oui, je me souviens du Koopakeep. Alors, on y est. Allez, c'est bon. Ok. Fuck you, mom. Trouve sacripant vite. Ah bon? Pourquoi elle met pas ça changer? Get. Scrambles. Fast. No. We can't do the Super Craig movie before the Human Kite Netflix series, guys. That doesn't make any sense. Well, what about introducing Super Craig in the second Coon and Friends movie? That'd be pretty DC Comics of us. I wouldn't recommend it. Ah! Boom! Sorry, guys. Can I have a moment with Butt Lord, please? Sure thing. Come on, fast pass. Right behind you, Mosquito. Le mec, c'est le seul à avoir un vrai pouvoir, quoi. Ah, je vais m'asseoir. Excuse-moi. Excuse-moi, Coon. Butt Lord, I just wanted to let you know that we've decided to let you have your own Netflix series right after the Fast Pass Fox miniseries and the third Coon and Friends United movie. Congratulations. Okay, well, get out there and finish your goals. Just, wanted to tell you the exciting news. What do you want, new kid? I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Oh, no. I'm going to have new kid, no, do not give me those sad puppy eyes. Nobody gets to be three classes. You think that just because you had to live through your dad fucking your mom, you should get all the sympathy in the world, don't you? I'm sorry. I didn't mean to bring that up. All right, fine. Trois classes. If you're going to add another class, what would it be? Ouh! Assassin! Assassin, l'assassin spécialiste dans les attaques, faisant jaillir le sang avant de se fondre dans l'ombre quand c'est l'heure de nettoyer. D'accord, ok. L'as du gadget. Ah! L'as du gadget impressionne les amis et se défait des ennemis grâce à un impressionnant arsenal explosif acquis via le catalogue SkyMall. Ah! Actuellement, moi j'ai... Brutalist Blaster. Speedster. Brutalist Blaster. So yeah, what an amazing moment for you. You must be excited. Ouais! Oui, plus que tu ne le crois. Gadgeteer, assassin. Bah, je partirai bien sur gadget. Gadgeteer. Je vais vite, j'ai des éléments et en plus j'ai des gadgets. Vous voyez ce que je veux dire? Physiquement, je suis différent. J'ai la puissance des éléments et des gadgets. Ouais, allez, c'est parti. Gadgeteer, like Tupperware. Are you rich too? An assassin. Not sure if you're cool enough, but whatever. A sense of urgency is also an gadgeteer, like Iron Man, but not as cute. Non, moins cool. But if you're gonna be triple class, then we have to... Comme Iron Man, mais en moins cool. It's pretty dumb. Let's go back in time again. Back to when you were just a child. Non! You couldn't sleep that night, but it was because you saw strange lights in the sky. You walked to the mirror. And in the mirror, you saw a kid who maybe wasn't from this world. And that's when you heard it. Strange alien sounds from the hallway. You walked out and saw two intruders and an alien in your house. Oh! You had to stop them, so you called upon your new powers. As a gadgeteer hero, you knew you could answer these intruders with whatever inventions you had in store. First, you decided to change the battlefield to your advantage with your straight shooter turret gun. Oui! Oh, génial! Oh, j'adore! Excellent! Look, kid, we aren't here to play. Ouh! Tu vas prendre tellement cher. Waouh, excellent! Bon, ça fait pas des masses de dégâts. Ils sont fragiles. Ok. Mange! Excellent! Ah bon? Je reconnais pas trop. Ignorant of the power that lay behind your creation's friendly smile. Aïe 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 aïe. What?
while the intruder is the blast, you pulled out your next shocking invention. Ah, ils sont choqués. Trop cool. Oh, et la foudre en plus comme élément, tu te fous de moi? The intruders moved in to retaliate. Aïe. But your electric device is a gift that keeps on giving. Oh, génial. Bouf. The remaining intruder moved in. Without any of your inventions available, he was able to get in a critical hit. Mais je vais pouvoir me venger. It was time to call your final and most powerful invention to your side. The airborne annihilator. L'annihilateur, j'ai pas eu le temps de lire. Merde. L'annihilateur aérien sans doute. Ouh. Gamin, alors ça t'est joué. C'est ça qui est bon. Ah, trop cool. Wow. Non. Wow, boy, that is pretty tragic, new kid. I'm so sorry. Ouais, je comprends. Were the aliens helping you by showing you who fucked your mom, or were they trying to make you full of rage? You might never know. You might never know. Alright, get back out there, Buttlord. You still have a lot of things to do. Cool. Cool, cool, cool. Cool. Est-ce que je suis affiché quelque part? Le troisième film de Coon and Friends. Alors attendez. De Coon. Coon and Friends 2. Donc il devait y avoir Coon and Friends 1. Ouais, Coon and Friends 2. En train de me dire que j'ai un... J'apparais que dans la... Ah non. Si, j'apparais que dans la phase 3. Oh. Oh. Oh, je suis déçu. Hello, it's me, the Keen Store. I have new super sweet inventory. Elle est stylée, celle-là. Transaction complete. Congratulations. Je prends tout, hein. Ça je l'ai pas, je le prends. Ça je l'ai pas, je le prends. Ça je l'ai pas. Ça je l'ai pas. Ok, bah ça m'a bien fait baisser, hein. Par contre, changement de costume. Et peut-être de pouvoir aussi. Est-ce qu'il faut que j'aille construire les costumes? Enfin, faire les costumes. Apparemment, non. 72, ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas de glu. Il va falloir j'achète de la glu, je pense. Il va falloir acheter de la glu. Costume, du coup, nous disions. J'ai cru voir des choses au niveau des mains qui étaient sympas. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Mains luminescentes. Je vois pas la différence. Mais pourquoi pas? Terme de vêtements, il y a des choses sympas. J'ai cru voir un truc avec des flammes dans le dos. J'ai trouvé ça assez stylé. Surtout quand on part du principe. Oh, il y a celui-là aussi qui est stylé. Voilà, pourquoi pas. En termes de tête, qu'est-ce qu'on a qu'on peut changer? Bah, pas grand chose du coup. Du coup.
Je suis pas méga convaincu par mon costume. Je suis pas méga convaincu par mon costume. Ça ne va plus. On va revenir sur des couleurs de base. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Si je mets ça comme ça, regardez. Je mets ça comme ça, au niveau de la tête. Ça, au lieu de mettre de l'orange, je mets du jaune. Pas mal, hein? Pas mal. Allez, parfait, on a un nouveau costume. On a un nouveau costume, peut-être que les gants, je vais les passer en jaune aussi. Jaune ou orange? Orange. Ok, vendu. Rappelez. Quand même, on va vérifier un petit peu le tour. Dude, I heard about you flying around with human kite on your back. That's pretty gay. Enfin bon, ce n'est pas grave, on s'en sort plutôt bien. Que nous... Oui. Réponds à l'appel de détresse de Super Craig. Craig, non, pas toi. Que t'ont-ils fait? Non. Oh, salut les mecs. Ah c'est vrai, je peux plus passer par là. Peut-être quand même un truc à choper, non? Rien du tout. Bon bah rien du tout alors. Tant pis. Tant pis. Better not be out there marking your territory. I need that little yellow nectar right there. Ah oui, le pissa. C'est lui qui récupère le pissa des chats. Oh, looks like I'm gonna catch me some forties. Non, tu vas rien attraper du tout, par contre. Pas dans ta face si tu continues à m'insulter. Sont-ils pas mignonnes mes petites ailes? Franchement, j'ai des ailes de feu dans le dos. Si ça c'est pas la classe. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas pu. C'est pas que j'ai pas pu, c'est que je l'ai pas encore surtout. Ce coup-là. Clairement. Ça, c'est hyper stylé, par contre, faut le reconnaître. C'est hyper méga stylé, donc je vais le garder. Je pense qu'on va être bien comme ça. J'aimerais... Alors, je pense... Vous voyez, on est à 28 minutes. Bon. C'est chiant. Mais on va aller, quand même, finir le... faire le truc de Craig. Je crois que je lui ai pété trop de fois au visage, ça lui est monté au cerveau. Ça doit être ça. Je pense que ça, il y a que ça. Ça peut être que ça. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Quite a night last night, huh? Salut, mec. You're sure one of the Freedom Pals wants to meet with us? Yeah, his tech said it was very urgent. Ça piège. Why would the Freedom Pals want to talk to us? Unless this is some kind of trap. Relax, coon friends. I didn't come to fight. Toolshed. Hello, Toolshed. Long time no see. Toolshed is a gadgeteer class visionary archetype. And a butt-fucking traitor. Just listen to me. I understand that the new kid helped take my dad's keys last night. New kid, I don't know why you were looking out for my dad, but I owe you one. That's all I came to say. You might be in the wrong franchise, but if you ever need help, I'll return the favor. Cool. You think the new cool. kid cares oui. about you? Oui. You belong to a loser zero-income franchise that's run by a douchebag in a wheelchair. At least he's not a fat little phone stealer. Oh, not him again. Timmy! You call us losers when the only way you can get a loser. Ah, Mysterion, tellement de style. Where is Dr. Timothy's phone? Sorry, freedom pussies. That info is classified. You guys need to stop investigating the Chamber of Commerce and leave it to the professional superheroes. Oh yeah, you guys are the professional superheroes. It just so happens, Mysterion, that we already have a connection with Netflix. No, you don't. Yes, we do. We're just about to get the Human Kite Netflix series off the ground, so... Il va vérifier. Timmy, no. No, stop it. Stop it, Timmy.
He's trying to rape my mind! Ah! Ah! They don't have a connection at Netflix. Freedom Pals just raped my mind, you guys! Let's get these pedophiles! Coon and friends assemble! Freedom Pals, unite! Civil War 2 is going down! Je voudrais tellement jouer avec Mysterion! Merde! Matched. Give up before you embarrass yourselves! How would you like a screwdriver sandwich, Coon? Soyons fous. Je suis désolé. Mysterion, j'essaye. Je suis obligé. Tellement pété ce pouvoir. Ah, le pouvoir de la foudre. Je suis désolé. Tu m'en dois une, mais... Ça me fait chier. We'll save you, Mr. Doctor. Fighting Dr. Timothy is a mistake beyond your comprehension. Microaggression. Hit him. Désolé. Je suis désolé. Non. Tu ne le feras pas. Oh my god, the butt lord fucked you. Here I go. Attack maneuver initialized. OK. Allons-y. Voilà. Hop. Encore masse PV lui. Boum. Des tokens, j'ai fait un truc à ton papa, je suis désolé. Ça va pas te plaire. Il se téléporte encore. Loin. Non. Ah bien. Bon endroit. Bravo. Je sens que ça va me faire mal. Ça va. Ça t'apprendra le coup de choc. Ah, je vais essayer de les buter les deux. Oh, putain, il leur reste un point de vie, quoi. Oh, oh le sale gosse. Oh le sale gosse. Oh le sale gosse. Ah, j'ai oublié de mettre mon pouvoir! Non! Qu'est-ce qu'il fait avec mon cerveau? Il m'a retourné le cerveau! Le vrai super-héros! Oh la vache! Parfait, vous êtes bien tous mis comme il faut. C'est génial. Merci. Vous êtes... parfaitement bien placé. Ah, la foudre! Pff, oh, y en a un qui s'enfuit. My turn. Faut qu'on en finisse avec ces gamins. Mixeur. C'est Tupperware, mais je sais bien, mais il fait une... je trouve que ça faisait effet mixeur, je trouve. Ok. Là. J'attaque tout le monde. Ok, vendu. Je sais pas si j'ai le docteur, enfin je sais pas si j'ai Timmy. C'est ça qui m'embête le plus.
Je ne sais pas si j'ai timide. On va faire un truc que j'aimais bien faire dans le précédent. Mais... Ah, ça veut pas. Je peux pas attaquer un adversaire au sol. Oh, quel dommage. Hop, allez, tant pis, on y va. T'es à porte. Ah, il est KO. Il est KO. Ok. Prepare to meet your end. Eux, ils ont survécu. Bah. Putain, il est tellement stylé, Mysterion. J'arrive pas à les tuer tous les deux. Du coup, là je les touche tous les deux. Et boum! Je suis désolé, Mysterion. Je suis sincèrement désolé. Je voudrais être de votre côté. Je voudrais être de votre côté. Costume de surdoué, cool. Élan d'empathie. Je voudrais être du côté de Mysterion, je suis désolé. Oh yeah, oh yeah, that is twice we kicked your asses. You guys are nothing without the new kid and you know it. New kid, my offer stands. I still owe you one. And if you ever want to be part of a real franchise, just call me. Yeah, right. You guys are DC Comics, we're Marvel. Non, dis pas ça maintenant. Je doute. Hey, that was some pretty good PC police work, kid. Way to take advantage of those motherfuckers' microaggressions. Come back to the brew pub. I think we can discuss your race and ethnicity now. Je suis en train de construire ma petite fiche de personnage tranquillement. Du coup les amis, du coup on est à 37 000 épisodes, du coup on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, en tout cas n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez faire partie de l'équipe de Cartman ou de Kenny. Parce que pour moi c'est Kenny qui a le plus... qui a le plus de tronche quoi, Mysterion quoi. Je suis désolé, j'y peux rien, c'est Kenny pour moi le chef, ça devrait être Kenny le chef, pas Timmy. Enfin bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, laquelle équipe vous préférez, et moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de l'aventure. Salut les gens !